Une vingtaine de personnes se sont retrouvées ce matin à Bienne, à la place centrale. Des Biennoises et Biennois âgés de plus de 60 ans. La ville organise 4 promenades de ce type afin de savoir si l'intérêt de la population est là. Aujourd'hui, c'est les seniors qui sont ciblés. Je vis ici depuis 12 ans et ça fait, je crois, depuis 12 ans, je me dis, mais on devrait faire quelque chose de ce quai du bas. C'est tellement beau, cette Suze et tout. On est content ici. Sauf qu'il y a des voitures et des vélos. J'habite dans le quartier, nous n'avons pas de voiture, on circule à bicyclette et on marche à pied. Et c'est dans cette situation, enfin c'est compte tenu de cette situation que je viens pour participer à l'aménagement du quartier. Il aimerait limiter le trafic encore davantage que ce que la ville souhaite. D'autres points ont également été abordés lors des promenades. La qualité du sol, le nombre de places assises et la végétation. La ville prend les demandes au sérieux. Donc on travaille avec une équipe spécialisée dans les processus participatifs qui sont chargés à la fin de chaque étape de participation de relayer les thématiques qui ont été abordées aux concepteurs et conceptrices du projet, à savoir les architectes responsables du projet. En ce mardi soir, une nouvelle promenade qui s'adresse cette fois-ci aux migrants est en cours. Et mercredi prochain, une dernière balade consacrée à la sécurité dans l'espace public est prévue. Dans 2 ans, la ville veut présenter à la population un projet de modernisation du quai du Bas.